Cette cérémonie va se dérouler en deux étapes. La première étape, ça va concerner le président du conseil d'administration sortant qui fera sa remise aux reprises avec le président du conseil d'administration entrant. Et la seconde étape, ce sera le tour du directeur général sortant avec madame le directeur général entrant.
Le programme se présente de cette manière-ci. Je vais commencer par un mot d'introduction. Et après cela, nous passerons à la lecture du procès verbal qui va sanctionner cette cérémonie en ce qui concerne le conseil d'administration. Après la lecture du procès verbal, interviendra le tour de la signature de ce procès verbal. Il y aura échange des signataires entre les deux présidents du conseil d'administration, c'est-à-dire l'entrant et le sortant. Après cela, je passerai le mot au président du conseil sortant, s'il a un mot à dire, et le président du conseil d'administration entrant, s'il a aussi son mot de circonstance. Et nous passerons à l'étape de la direction générale. Ça sera la même procédure. Dans mon mot d'introduction, je sais qu'il n'y a plus besoin de nous rappeler dans quelles circonstances nous nous trouvons dans cette salle. Il s'agit bien de cette cérémonie de remise et reprise. Vous vous rappelez qu'en date du 11 novembre 2022, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de prendre une série d'ordonnances et il a procédé à la nomination des mandataires publics dans quelques sociétés du portefeuille. Et l'ordonnance qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'ordonnance numéro 22/226 du 11 novembre 2022. La nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Caisse générale d'épargne du Congo, en sigle CADECO Export. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011, autant révision de certains articles de la Constitution, spécialement à ces articles 69, 79, 81 et 221. Vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement à ces articles 2 et 4. Vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16. Vu l'ordonnance numéro 22/00D du 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement à ces articles 43, 45 et 48 alinéa 3. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B37. Vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination des premiers ministres, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement à ses articles 1er, 3, 4, 5 et 27. Vu le statut de la Caisse générale d'épargne du Congo, en sigle CADECO SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er. Son nombre de membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo, en sigle CADECO SA, les personnes ci-après. Monsieur Dikoma Kitenge Jean-Pierre. Monsieur, Madame Mbambu Mugole Juliette. Monsieur Nyangwila Mukendi Moïse. Monsieur Kabwa Yalei Henri. Madame Bello Pindi Jacqueline.
Monsieur Mwenze Wakadulo Rosen. Monsieur Eoni Norbert. Voilà. Monsieur Litangi Madika Jean Bedel. Madame Maboya Damanzo Annie. Article D. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Dikoma Kitengye, Jean-Pierre, président du conseil d'administration. Monsieur. Madame. Madame Bambou Mugole Juliette, DG. Monsieur Louvaux Otela Boyomba Christian, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres d'État, ministres du portefeuille et chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre. Dikoma Kitenge Jean-Pierre. À Kinshasa Gombe, concerne notification de votre nomination en qualité du président du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO. Messieurs, en exécution de l'ordonnance numéro 022-226 du 11 novembre 2022, portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommé Caisse générale d'épargne du Congo en sigle CADECO SA, qui m'a été transmis par le directeur du cabinet de son excellence, Monsieur le Président de la République, suivant la lettre numéro 3055-11-2022 du 21 novembre 2022, j'ai l'honneur de vous notifier votre nomination en qualité du président du conseil d'administration et administrateur de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO SA. J'ai tenu une cérémonie de remise et reprise entre le président du conseil d'administration sortant, M. Boupila Moussen Moja, et le président du conseil d'administration entrant, M. Dikoma Kitengye, en exécution de l'ordonnance numéro 22-226 du 11 novembre 2022. Du président de la République portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommé Caisse générale d'épargne en sigle CADECO SA. La remise et reprise est supervisée par M. Stéphane Kankonde Chilumba, vice-président en du conseil supérieur du portefeuille, et porte sur le bien les dossiers et documents de l'entreprise en annexe, lesquels font partie intégrante du procès verbal. En foi de quoi, le procès verbal a été signé par le président du conseil d'administration sortant et le président du conseil d'administration entrant. Ainsi, fait à Kinshasa au jour, mois et an, messieurs Boupila Hussein Monja, pour la reprise, messieurs Dikoma Kitengye, pour la supervision, messieurs Stéphane Kankonde Chilumba. En annexe, celle qui s'est dit dans le procès verbal, nous avons la liste des matériels du bureau, je vous épargne des détails. Nous avons les documents. Dans les documents, nous avons les courriers entrants au niveau du cabinet du président du conseil d'administration sortant. Nous avons les courriers sortants. Nous avons les dossiers en cours. Voilà les éléments d'annexe du présent procès verbal que nous avons procédé à la lecture. J'ai dit, monsieur le président. Merci beaucoup. Ainsi dit, nous allons passer à la signature. Monsieur le Président. Il y a un peu de distance. Thank you.
allons assister à l'échange des signataires entre le président du conseil d'administration sortant et monsieur le président du conseil d'administration entrant. Ça va aller. Je vous laisse ma place. Voilà, allez, tous nos applaudissements. Conseil supérieur du portefeuille, représentant personnel de son Excellence Madame le ministre d'État du portefeuille. Je voudrais, avant toute chose, à l'occasion de cette cérémonie de remise et reprise, commencer par remercier le chef de l'État qui a bien voulu, il y a de cela 2 ans et 6 mois, m'est nommé non seulement comme administrateur à la CADECO, mais aussi et surtout comme président du conseil d'administration de la CADECO. Mes remerciements vont également à son Excellence Madame le ministre d'État, Madame Adel Kaïnda, qui nous a offert un accompagnement très important au cours de notre mandat. Y a-t-il autre chose à dire? Je pense que non. Sinon que dire au PCA entrant que, comme il le sait, nous avons mené un combat ici pour le redressement de la CADECO. Ce combat n'est pas terminé. Nous sommes en train de partir et je suis particulièrement satisfait que l'un des membres de l'équipe qui était la nôtre reste à la tête du conseil d'administration de la CADECO. Cela nous donne l'espoir que le combat qui était le nôtre pendant les 2 ans et demi, que les projets et les espoirs que nous avions formulés lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette entreprise ne vont pas s'éteindre. En fait, la vie, c'est une sorte de course, de relais. En ce jour, j'ai terminé ma course et je suis en train de passer le relais à un des membres de mon équipe sortante. Et c'est pour moi aussi une occasion de le féliciter pour cette nomination. Je pense que, au-delà de ce petit mot, nous avons longuement parlé hier lors du conseil d'administration de tout ce qu'il y avait comme dossier à traiter. J'en ai profité pour donner quelques conseils à mon successeur pour le bien de l'entreprise. Mais le mot-clé restera, mon cher Jean-Pierre, à la place où vous êtes, placer l'intérêt de la CADECO au-dessus de tout. Je vous ai prodigué plusieurs conseils hier lors de la réunion du conseil d'administration et je pense que pour l'instant, ce qui est important, c'est de vous rappeler simplement que l'intérêt de la CADECO doit prévaloir à tous les autres intérêts. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration. Merci, M. le Président. Je profite de cette occasion pour justement remercier le président du Conseil de l'administration sortant pour la collaboration. Parce que tout au long de notre combat, comme il l'a dit, nous avons toujours été soudés pour un seul objectif. Je n'ai pas ménagé aucun effort pour le chercher là où il était, pour le besoin et l'intérêt de l'entreprise. Cela étant, je profite de l'occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Pour nous, les intimes, nous l'appelons Fatih Béton,
pour cette deuxième confiance placée à ma modeste personne. Je vous rappelle que c'est la deuxième ordonnance que je bénéficie pendant 2 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Monsieur le Président, je remercie aussi Son Excellence Madame le Ministre du Portefeuille qui nous a accompagnés et donné des conseils chaque fois qu'il les fallait pour le bien de cette entreprise. Comme les PCA sortants le disaient, nous avons combattu ensemble, je suis combattant, et le même combat continue jusqu'à ce que l'entreprise, et avec l'accompagnement de vous-même, et l'État congolais qui en est actionnaire unique, pour qu'il puisse comprendre les cris d'alarme, pour ce que cette entreprise puisse être sauvée. Tout le monde connaît la difficulté de la CADECO. L'entreprise qui était tombée dans l'oubliette, il faille que nous qui sommes ici, parce que le temps que nous avons passé, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et avec Madame le directeur général, que nous puissions conjuguer nos efforts à ce que la CADECO puisse être revêtue de sa nouvelle rôle. Et je lancerai en même temps l'appel au personnel de la CADECO. Nous sommes des passagers. L'exemple est là. Vous avez vu que l'équipe avec laquelle nous avons commencé ces combats, certains sont partis et nous partirons aussi. Il faille que nous soyons ensemble, que nous soyons soudés, qu'on parle le même langage, qu'on regarde dans la même direction pour le bien de l'entreprise et aussi mériter plus auprès de celui qui nous a donné ce mandat. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Monsieur le DG sortant, on vous passe la parole pour votre mot de circonstance. Merci. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la République, le chef de l'État, qui nous avait voté, donc nous avait nommé depuis le 8 juin 2020. Et aujourd'hui, nous sommes appelé à aller travailler ou tout simplement à nous retirer pour laisser place à l'équipe qui entre. Il nous a fait confiance, vraiment nous les remercions. Parce que moi je n'étais qu'un directeur provincial, m'élevé au niveau du directeur général. J'ai fait mon mandat, je l'ai terminé, tête haute. Je vais remercier également Son Excellence Madame le Ministre d'État pour l'encadrement parce que nous avons eu à faire beaucoup de réunions et puis elle a été réceptive par rapport à toutes les préoccupations que nous avons soumises à son autorité. Et je vais remercier aussi vous-même le CSP parce que nous avons eu à recourir au CSP pour certains éclaircissements sur le plan technique, et vous avez été très réceptif. Je veux remercier les collègues, les administrateurs avec lesquels nous avons travaillé. C'était une occasion de nous découvrir et d'amasser encore plus d'expérience. Je vais commencer par M. le PCA Boupila. C'est vrai que là où les hommes sont, il ne manque pas de problèmes. Nous avons eu à résoudre beaucoup de problèmes ici. C'est vrai qu'on ne les a pas terminés. Madame le DGA, qui était mon DGA maintenant, et notre DG, parce que moi, je suis de la maison, donc il va continuer à nous gérer, parce que je suis de la famille CADECO.
Je la félicite en passant. Je félicite aussi le président du conseil d'administration que j'ai connu ici, au niveau du conseil d'administration. Je vais laisser tout simplement entre leurs mains cette entreprise que nous avons eu à gérer pendant 2 ans et demi ensemble. Ils savent où en quel état nous l'avons trouvée et à quel niveau nous la laissons. Certainement, nous avons planté certains jalons. Et ils doivent évoluer pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'était assignés. Les objectifs, c'est de relever le niveau de cette entreprise qui présente beaucoup de défis, difficiles à pouvoir relever en un jour. Mais on a commencé quelque part. Nous avons fait un effort pour qu'on puisse pouvoir retracer facilement les opérations qui se tiennent auprès de nos agences à l'intérieur en initiant le projet pour l'informatisation. Et ces projets existent, ils sont plus ou moins prêts, mais nous les demandons de tout simplement les finaliser. Et aussi, ils doivent mettre un accent sur le contrôle. Parce que la confiance, c'est bien, mais les contrôles, c'est mieux. Aussi, trop de problèmes, parce que l'entreprise a des dettes vis-à-vis de sa clientèle, de ses clients, et feront un effort pour trouver les moyens pour désintéresser et faire évoluer l'entreprise de manière à ce qu'elle puisse être comme une banque moderne. Donc, toutes nos félicitations, même à l'équipe des administrateurs entrants, nous vous encourageons et nous vous disons merci pour. Enfin, nous vous félicitons et nous vous demandons de tenir bon, parce que ce n'est pas si facile de relever des défis qu'il y a ici à la CADECO. C'est une entreprise de l'État. Les besoins sont multiples, mais difficile de pouvoir trouver des solutions en un jour. Mais comme le représentant de l'actionnaire unique est là, nous ne faisons que soumettre certains problèmes à son niveau pour trouver des solutions. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais commencer par remercier mon Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu que nous soyons là ce jour et qui a béni ce jour, un jour béni pour la CADECO. Et je tiens à revenir vers le chef de l'État, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a placé en ma modeste personne une confiance pour la deuxième fois. Si je connais une ordonnance présidentielle, la première a été par son bien, Dieu l'a voulu ainsi. Et la deuxième aujourd'hui, toujours par lui, Dieu l'a voulu ainsi. Je tiens à remercier Madame le ministre d'État de portefeuille, Madame Adèle Kaïnda Maïna, qui m'a soutenue, qui nous a soutenus depuis le début. Et aujourd'hui, elle continue à nous soutenir et elle compte beaucoup sur nous. Et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous serons à la hauteur de la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Je tiens à remercier ensuite le CSP, cet organe portefeuille qui nous a soutenus, qui nous a toujours tenus. Et qui, de son expérience, nous avons beaucoup appris et nous continuons à apprendre. Nous allons continuer à compter sur le portefeuille parce qu'on a besoin de vous tout le temps, Président. Je tiens à remercier l'ancienne équipe, à commencer par le PCA, qui a été l'église au milieu du village tout le temps. C'est un homme d'expérience inouïe. Nous avons beaucoup appris. J'étais en train de le dire
au nouveau président. J'espère que vous avez beaucoup appris de l'honorable Boutila, qui chaque jour, il y avait au moins une leçon à nous donner et au noter. Je tiens à remercier le DG Nalukoma. Une carrière exceptionnelle. Je crois que c'est le tout premier agent de la KDB. Je ne sais pas, en tout cas c'est ce que je pense, qui a commencé à la base et qui a monté tous les échelons jusqu'à devenir directeur général de la KDB. De son expérience de presque bientôt 50 ans de la KDB, nous avons beaucoup appris et nous allons continuer à apprendre. S'il m'était donné de décider seul, j'allais demander au DG Nalukoma de devenir le formateur de toute la CADECO, partout là où on est la République, pour que nous puissions relever les défis, parce que l'expérience, il en a. Et je tiens ici à remercier tous les directeurs qui sont ici présents et qui sont absents, les agents de la CADECO, avec qui on a passé un temps. J'appelle ce temps, pour moi, un temps de stage professionnel, où j'ai beaucoup appris et j'ai expérience au profit de la CADECO, qui désormais, ensemble, les mains entre les mains, va revêtir de sa nouvelle robe, de la sienne CADESA à l'époque, qui deviendra la new CADECO. L'aide de Dieu et le soutien du chef de l'État lui-même et du ministère, de nos ministères de tutelle, portefeuille, finances et tous les autres, qu'on pourra y arriver. Parce que de nous-mêmes, on ne saura pas le faire. Voilà. Je remercie la présence de tout le monde et à tous les mandataires, à tous les administrateurs. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons travailler la main dans la main. Et chaque jour, on aura à se dire par rapport au renouvellement de l'esprit CADECO pour que ce soit un nouveau CADECO fort et que ça devienne la toute première banque nationale qui nous reste et qui deviendra l'unique. Ensemble, on peut relever ce défi. Monsieur le DGA, nous avons beaucoup de travail. On va travailler la main dans la main. Il y a beaucoup de travail et je crois que je compte beaucoup sur vous pour que cette entreprise puisse relever les grands défis et n'hésitez pas de venir vers moi parce que moi je n'hésiterai pas de venir vers vous pour qu'on travaille ensemble sur toutes les matières malgré le pouvoir le plus étendu du DG. Vous avez aussi le pouvoir le plus étendu du DG parce que vous êtes aussi l'autre DG. Voilà. Merci et c'est tout ce que j'avais à dire. On n'a pas terminé son temps. Je tenais à vous remercier sincèrement pour le travail actuel. Vous n'avez pas démérité, vous n'avez pas été suspendu. Vous êtes arrivé à terme de votre mandat. Il y a un mandat, il y a un après-mandat. On a, on a nommé d'autres mandataires, mais vous partez tête haute, comme on l'a dit. Vous n'avez pas été suspendu, vous n'avez pas été révoqué non plus. Merci pour le travail actuel à la CADECO. Monsieur le Président, madame, monsieur les administrateurs, monsieur et madame les administrateurs, vous avez la confiance de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ainsi qu'il vous a nommé à la tête de cette entreprise. Vous avez le soutien de son Excellence, madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, madame Adèle Kayenda, et vous avez l'accompagnement du Conseil supérieur du portefeuille. Il ne faut jamais oublier cela. Nous disons toujours les problèmes qui arrivent dans nos sociétés. C'est parce que les hommes n'arrivent pas à respecter les textes. Vous avez les textes dans votre société. Lisez les textes. Vous verrez les prérogatives de chaque organe. Nous avons trois organes ici, au sein de votre société. Il y a l'Assemblée générale, le Conseil d'administration et la Direction générale. Chaque organe a ses prérogatives. Ne jamais bypasser les prérogatives d'un organe. Ça va créer des conflits. Le Conseil d'administration, c'est un organe de conception, d'orientation, de décision et de contrôle. C'est le conseil d'administration qui contrôle la direction générale.
Et la direction générale est là pour gérer au quotidien. Il ne faut pas qu'il y ait... sinon, ça crée des problèmes. Monsieur le PC, c'est ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est le respect des textes. Si vous respectez les textes, je pense qu'il n'y aura pas de problème au sein de votre conseil d'administration. Il y a des principes de bonne gouvernance qu'il faut observer. Nous avons la transparence dans la gestion. La gestion d'une entreprise, on l'appelle entreprise publique. C'est l'entreprise de tout le monde, de tous les Congolais. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut l'équité, l'éthique. Il faut l'intégrité. C'est-à-dire ne pas... Hein, sinon, la DGF, le CSP... Je ne vais pas revenir ici quelques mois après pour procéder à... Parce qu'on a suspendu tel ou tel. On le fera quand vous allez bypasser les textes. Respectez les textes. La bonne gouvernance, c'est le devoir de relevabilité. Vous devez rendre compte. La direction générale doit rendre compte au conseil d'administration. Le conseil d'administration, aux instances supérieures, nous avons le conseil supérieur du portefeuille, le ministère des Finances, le ministère du portefeuille. Rendez compte, c'est l'entreprise de l'État. Je crois que si vous faites cela de cette manière-là, tout va aller comme suivant. Je crois que c'était quelques conseils que nous donnons dans de telles circonstances pour que les gens sachent à quoi s'en tenir. Monsieur le directeur général adjoint, on dit dans le texte, il remplace le DG en cas de son absence, mais il l'assiste. Mais cette assistance ne doit pas être passive. Il n'est pas passif, il est actif, madame. Il est dit dans le texte que le conseil d'administration, en concert avec le directeur général, détermine quelques attributions pour le DGA. Ne laissez pas comme ça oisif, non. Et monsieur le DGA, quand il aura ces attributions-là, il ne sera pas comme un électron libre. C'est-à-dire que, parce qu'on m'a dit, moi je m'occupe de telle, comment dirais-je, attribution. Vous êtes élevé en tant que comme DG de cette même entreprise. Quels sont les différents projets que vous avez pour cette entreprise et également connaître votre sentiment. Une femme élevée comme DG et nous le signalons que c'est la première femme DG de Kadeco. On peut avoir une réponse. En fait, j'ai dit d'abord merci à Dieu qui a voulu que je devienne DG de la Kadeco, la Caisse Générale d'Épargne Congolais, où j'étais DGA il y a quelques temps. Je remercie aussi le président de la République qui a placé en ma modeste personne une confiance pour la deuxième fois. Et à Madame le ministre de Portefeuille aussi, merci. Et merci à vous tous qui soutenez la vision de la Kadeco, celle de la Caisse d'Épargne, une banque de proximité, pour laquelle on vient de finir, selon moi, on vient de finir une sorte de stage. Ça fait 2 ans et demi que j'étais là comme DGA. Aujourd'hui, je suis directeur général de la Kadeco. C'est vrai, c'est la toute première fois qu'une femme est élevée au rang de directeur général de la Kadeco. Ce que j'ai d'épargne, c'est d'en faire une banque, une vraie banque de proximité pour tout le monde, pour les Congolais, de tous les niveaux. C'est d'en faire une nouvelle Kadeco qui va lutter contre la pauvreté dans la vie des plus petits, des moyens comme des grands. Et là, je parle de la pauvreté financière, de la pauvreté économique. Aujourd'hui,
la Caisse Générale d'Épargne du Congo, une banque qui était en train d'aller vers les oubliettes, mais que nous promettons de relever et d'en faire une nouvelle Cadeco, la New Cadeco. Je n'ai pas beaucoup à dire, c'est toujours mieux de prouver ce qu'on peut faire par les actes. Il y a beaucoup d'actions qu'on va mener pour cette banque. Nous allons faire des vraies descentes sur terrain pour mobiliser le peuple congolais à revenir dans sa banque nationale, l'unique qui nous reste en entièreté. La Cadeco, c'est l'unique banque nationale qui nous reste et qui est bien implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous pensons qu'il est temps que nous puissions sensibiliser tous les Congolais de prendre conscience que nous devons cette fois-ci épargner pour nous, par nous, pour chez nous, afin que ceux qui croient à la création de la classe moyenne puissent venir avec nous, nous tenir les coudes afin de redorer l'image de notre Caisse Générale d'Épargne du Congo. À tous les anciens clients, j'aimerais ici rassurer de nouveau que c'est possible que nous puissions oublier les pages sombres d'une banque qui, jusqu'à aujourd'hui, l'État, propriétaire unique, n'a pas encore déclaré faillite de cette Cadeco, qui a toujours eu l'espoir et l'espérance qu'elle pourra relever cette banque. Et je crois que le ministère, nos deux ministères de tutelle, le portefeuille et le ministère des Finances, vont nous soutenir, vont nous venir en aide avec le concours, bien sûr, de la banque, la BCC, notre banque centrale, dans laquelle nous voulons lutter pour revenir dans la chambre des compensations, donc recapitaliser la Cadeco. C'est l'une des grandes actions que nos ministères devraient nous aider à réaliser en court terme afin que nous restions compétitifs par rapport à d'autres banques. D'autres banques extérieures, bien sûr. Donc, ça, c'est la Banque nationale. Nous allons assurer et assumer notre engagement, la vision de la redorer et de lui donner un nouveau souffle. Nous comptons sur vous tous et bienvenue à la nouvelle Cadeco, dans le nouveau management, des nouveaux managers et pour une nouvelle vision. Voilà, merci. 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 S'il vous plaît, une question.